Nihao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation JT Geek avec cette semaine le Ascend. Oh, le Huawei Ascend Mate 7, oui c'est un peu compliqué, c'est le nouveau téléphone de chez Huawei, le gros, le magnifique, le merveilleux, avec un écran 6 pouces, ouais, en Full HD, avec 3Go de RAM, celui-là c'est la version 32Go de ROM, avec lecteur d'empreinte à l'arrière, et oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, débrouillez, découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors vous expliquez tout ça après générique, et après Pangui. Aujourd'hui, on va tester enfin le Ascend Mate 7. Par après que vous m'ayez posé la question pendant au moins 3 ou 4 fois cette nuit, en me disant quand c'est que tu testes le Mate 7, bah c'est aujourd'hui. Voilà, ça tombe bien. Donc, prépare tes popcorn, prépare ton Pepsi Light, hein, forcément, parce que. Ou ton Coca Zero, parce que le Coca Zero, si on vous l'a pas dit, c'est pour les gros. On va tester le Ascend Mate 7. Donc, on a changé un petit peu les trucs avec. Waouh, le truc. En fait, c'est pas. La GoPro qui me voit dans le téléphone, c'est le téléphone, vu que la caméra elle peut être tournée. Alors là, on tourne la caméra et comme ça je me vois moi, pas besoin d'enregistrer, beaucoup plus simple au montage. Et puis bah vous envoyez pareil autant et pas de latence, vous voyez. Vous voyez, hop, à droite, hop. Pas, très peu, hein. Voyez, voilà, bon, allez, on attaque tout de suite par la boîte parce que la boîte quand même mérite le détour de son pot de cacahuète là, hein, parce qu'elle est quand même très très jolie. Vous voyez une boîte comme ça qui s'ouvre, c'est. Waouh! Voilà, oui, c'était bien à 7 mètres. Et petit détail qui va faire vraiment la grosse différence, c'est que dans la boîte, eh ben eux, ils te donnent le flip cover, pour de vrai. Voilà. Un joli petit flip cover, hein, sympathique, avec la couleur, eh ben, encore plus moche que le téléphone. Si vous aimez pas le gold, une couleur crème. Mmh, voilà, on va dire que le téléphone, il est café et que la coque, elle est crème. Hein. Comme ça, ça passera mieux. On ouvre ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas grand-chose. Un petit shrip-trips. Il est où le shrip-trips? Je l'ai vu la dernière fois. Voilà, il est tombé déjà. Pour ouvrir le téléphone, comme ça on verra ça tout à l'heure, on va le laisser dehors. On va pas oublier. Hop là, hop. Une carte VIP qui vous donnera droit à rien. Le Ascend Mate, le manuel, les choses comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. On referme. Ensuite, on retrouve une petite boîte avec dedans, vous allez avoir un chargeur, un écouteur et un chargeur. J'ai dit deux fois chargeur. Ouais, c'était le câble. Ici, on va retrouver quoi? Alors, chargeur secteur USB, tout micro USB. Petit détail que m'a fait remarquer David, parce que le téléphone, il est pas à moi, il est à David, en fait. Il l'a acheté pour lui et il vous le prête pour vous. Alors, on peut dire merci, David. Tu peux laisser un commentaire en bas, tu dis merci, David. Voilà, ça lui fera plaisir. Le chargeur fait 2 ampères. 2 ampères, pourquoi? Parce que la batterie, elle est juste énorme. Vous allez avoir un kit piéton ici. Vous allez avoir un chargeur secteur USB to micro USB. Et vous allez avoir le petit câble qui tue. Parce que, voilà. Alors, il y en a plein qui vont savoir parce qu'ils se tapent le site Huawei matin, midi et soir en disant je l'achète ou je l'achète pas. Je me l'achète ou je me l'achète pas. J'ai de l'argent ou j'ai pas d'argent. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous allez dans le câble, il vous dit quoi? Hop, il dit là, je sors. Là, je rentre. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, si vous allez pouvoir recharger un deuxième téléphone avec la grosse batterie de celui-là. Ah, c'est plutôt bien, par exemple, si vous avez une meuf qui a un iPhone, vous allez pouvoir le recharger. Eh ben non, vous n'allez pas pouvoir le recharger. Parce que l'iPhone, il a une connectique à la con. Donc, mais bon, avec votre grosse batterie, vous allez pouvoir recharger votre voiture, le bus électrique ou ce que vous voudrez, parce que la batterie est juste énorme. Et le téléphone s'est éteint. Merde, ça pas les topettes. Ici. Alors, on continue. Alors, le téléphone, on attaque avec les contours. Et ici, sur le côté droit, on va retrouver bouton power on off, bouton volume plus moins. Ici, dessous, connectique micro USB en entrée et en sortie. Un microphone, les emplacements carte SIM. Alors, on va regarder. Ah, je vais pas. Merde, il est où, stickers? Vite tes poches. Donne-moi les stickers. Voilà, je vais vous faire voir un peu. Ah ouais, tu vois pas, là. On va mettre comme ça. Voilà, ils vous disent, alors on a soit, il y a de la bricole, hein, je te le dis, soit on a une micro-SIM, ici, donc celui du haut, et le deuxième, on a soit une micro-SIM, soit une nano-SIM. Non, je me suis trompé. Pleuré, je suis revenu, pour expliquer comment ça marchait. Perdu et tout. Donc, dans l'emplacement ici en haut, tu vas pouvoir mettre une micro-SIM, ça c'est sûr. Et dans le deuxième slot, tu peux mettre soit une micro-SD, soit une nano-SIM. C'est pas compliqué, hein, je te jure, hein, pas besoin de faire 10 prises. Hein. Voilà, on enlève ça, hop là, voilà le petit autocollant ici. Donc le téléphone est quand même plutôt joli. À l'arrière, on va retrouver quoi? Une bien bonne grosse caméra de 13 millions de pixels, un lecteur d'empreintes. Voilà, je fais super bien le lecteur d'empreintes. Je fais aussi très bien le chat. Et un flash ici, à l'avant, un appareil photo ici de 5 millions de pixels, un écran de la mort 5 pouces, 6 pouces Full HD. Voilà,
Le côté Huawei. Pas de bouton physique hein, sur l'animal, ici. On allume le téléphone, on va là, on va dedans, on regarde. Le téléphone, ici, on va mettre étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien un IMEI en 86. Voilà, pourtant, il n'y a qu'une carte SIM, donc vous ne verrez pas les autres IMEI. Mais quand il y aura deux cartes SIM, vous aurez deux IMEI. La batterie, on l'a vu, mais on l'a pas vu. La batterie fait juste 4100 mAh. La batterie, elle est juste énorme. Regardez là, donc il vous dit, il est bien TD-LTE, c'est un Huawei CMD. C'est bon. Je sais qu'il y a des fans. Il y a des fans des noms. Oui, non, est-ce que ce serait un LT06 ou un LT12 2432 voilà, donc là, tu sais exactement ce que c'est. Le petit haut-parleur ici, qu'on va pouvoir tester tout à l'heure. Voilà, allez, on attaque le test et on attaque tout de suite, bien sûr, pour notre premier personnage exceptionnel qui est. Un toutou qui va nous donner le score de l'animal. Alors, voulez-vous autoriser un toutou? Mais oui, vas-y. Alors, on continue. Le score 44021. Un score plutôt sympa, hein, avec un processeur qui est bizarre. Processeur Big Little. Oui, oh, les petits gros. Ou les gros petits, comme tu veux. Alors, c'est bien, ouais, c'est bien Mate 7, un MT7TL00. Android 4.4.2. Donc, bien sûr, avec la surcouche locale. On a un Mali T624, l'écran c'est du Full HD 1080x1020, la caméra c'est une 13 millions, l'IMEI c'est bon, la RAM, alors la RAM on verra ça tout à l'heure, bon, 3Go de RAM, là vous êtes peinard. Le CPU donc c'est un iSilicon 925, alors je vais prendre ma fiche parce que voilà, j'ai eu un petit peu de mal à vous expliquer pourquoi c'est un 8 cores. Alors c'est un 4x1Go8 plus un 4x1Go3. C'est la nouvelle configuration Big Little. Yes, hein, ça fait trop bien. Bon, enfin bon, il dit que c'est un 8 cores, c'est déjà pas mal. Le Mali, c'est un T624, donc ça sera parfait pour les jeux. OPN, hein, un écran 6 pouces, 480 dpi. Caméra arrière, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. On peut faire des enregistrements jusqu'en 1080p. On va regarder s'il supporte la 4K, mais à mon avis, non, sinon on le dirait. Mais on verra ça tout à l'heure. La batterie, le poids, 185 grammes. C'est pas mal. Ça, c'est ça. Il est fort en toutou. Il arrive à savoir le poids sans peser. Téléphone. L'OS 4.4.2, hein, donc la version de leur truc, comment ils appellent ça? Attendez, je prends un truc. Ah voilà, c'est MUI 3.0, si on vous demande la surcouche. Le GPS, la scène, les sensors, tout. Le direction, le G-sensor, l'accéléromètre, le light, le e-compass, le proximity sensor, le gyro sensor et le line acceleration sensor. Et enfin pour finir, le rotation sensor sensor. Voilà, bon, ça fait très bien, ça fait des gros trucs. Alors, on continue, on va attaquer notre CPU testeur qui va nous donner un petit peu plus d'informations sur le CPU. Donc, il nous dit que c'est un... Voilà, lui, juste, il est à l'ouest. Il nous dit que c'est un Qualcomm MSM 8914, Snapdragon 800, 4 fois, pas du tout. Voilà. Ici, en dessous, par contre, on voit bien. Marc, peut-être que dans le Huawei, il y a peut-être un petit peu de Qualcomm dedans, hein, allez savoir. On va faire l'évaluation. Mais là, on est sûr que c'est un processeur maison, hein. Je veux dire, un Kirin... Kirin, tu connais? Il y avait une pub comme ça. Kirin. Non, bon, ça là, je le ferai pas. Les trois bips. Donc, on a entendu le premier bip, le deuxième bip. Et enfin, sous vos yeux ébahis, le troisième bip qui tombe toujours synchro avec ma voix. 38 223. Gros score là. Hein. Vraiment, on est quasiment sur le score de Snapdragon. C'est plutôt pas mal. Alors, là, les IMEI, voilà, on attaque tout de suite avec notre deuxième personnage exceptionnel qui est. Boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche ravageuse qui va nous donner la taille de l'animal. Alors, le truc, bon, il fait 6 pouces, là, c'était scellé. On va éteindre le téléphone, ça évitera qu'il s'énerve un petit peu. Il fait bien 157, il fait bien 81, c'est pas mal, ici. Le poids, on va regarder si en toutou il s'est bien mis, hein, parce que là, moi, je veux dire, s'il fait pas les 180 grammes, je le ramène, hein. Je le ramène nulle part, il est pas à moi. Ici, 184 grammes, les salauds, ils nous ont escroqué d'un gramme. Voilà, faut si tu mets une micro SD, une carte SIM, c'est bon, t'auras le quota. Et ensuite, la finesse avec Madame Pia Coulis. Ici, eux, ils nous donnent du 7,9 et on a du 7,9 aussi. C'est pas mal, en forçant un petit peu. Si je comprime mes petits muscles et que j'arrive à serrer Madame Pia Coulis, et ben du coup, t'auras 7,884. Voilà, on continue. Alors, la RAM, la ROM est à ROM. Alors là, ça va être compliqué sur un EBB avec le design de la mort. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Général. Britney's Wallpaper. Britney Spears. C'est pas elle. Wallpaper, sonde. Ici, alors, SIM, management. Non, mort.
Display, sound, storage, power, charging, pédomètre. Pédomètre. Ça sonne bien. C'est le maître des pieds. Sinon pas, on n'a pas. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, même sur Internet. Le finger ID, là, si vous voulez le régler. Manage application. J'ai pas le droit, pas le droit. Stop. Censure moi-même. Alors, la RAM running, il nous le dit pas. Bon, tant pis. On va se mettre comme ça. On va revenir ici. On va regarder un petit peu sur About the Phone. Voilà, donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM. Voilà, plus bah, vous avez la possibilité quand même de mettre une micro SD derrière. Ça sera plutôt pas mal. Est-ce que je peux aller voir un petit peu le stockage? J'ai pas vu. Est-ce que je suis passé devant? Stockage, paramètres, batterie, sonde, storage. Voilà, regardez un petit peu comment il reste de mémoire de lui. Non, on voit toujours, on voit toujours. Tu le sais pas, mais je le mets comme ça. Alors, il vous reste 25 Go sur les 32 pour mettre les applications, les photos, les vidéos, la musique, le download, le tout bien. Carte SD, il n'y en a pas, donc voilà, vous pouvez directement mettre tout dans la carte mémoire, donc là, vous allez pouvoir mettre plus d'applications qu'il ne vous en faut. Donc, le téléphone, pour résumer, fait bien 3 Go de RAM, il fait 32 Go de ROM, et la micro SD, tiens-toi bien, Coco, tu peux mettre de la micro SD 128 Go. Que je sais même pas sûr que ça existe. Mais enfin, s'ils le disent, c'est que ça doit bien exister. Enfin, une micro SD de 128 Go, Coco, là, je peux te dire, tu peux faire un CTLM, hein. ça va te coûter ce qu'il faut. Mais voilà, on peut taper jusqu'à 128 Go, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit peu la technique avec Z-Device, bien sûr. Ok. L'accéléromètre, wow, à mon avis, le téléphone, il est quand même fait, refait, surfait. Tout, il y a tout et tout marche. Avec un gros téléphone comme ça, on est plutôt pas mal. L'OTG, ah, c'est une bonne question ça, l'OTG. Alors attendez, s'il n'est pas OTG, je veux dire, jette par la fenêtre. En plus, il n'est pas à moi. Remboursé, hein. Bon, il est OTG quand même. C'était le minimum syndical. La version Android, donc on l'a bien vu, c'est une version 4.4. Point 2. Les boutons, bon, on va pas parler de rétroéclairé, ils se rétroéclairent pas, ils sont dans l'écran LCD. Ici, on y va, About the Phone, tac, donc on a bien une version 4.4.2 avec la surcouche, bien sûr, MUI 3.0. À ne pas confondre avec la ROMUI, c'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'ils vont me le mettre ici? Voilà, MUI 3.0, on clique ici. Il y a pas moyen de mettre à jour là, légale information, non, ça doit être ailleurs. Pas mal, j'ai un petit logo MUI, hein, ils sont recherchés chez Babé. Ici, donc la version Android 4.4.2. Nous, dans le téléphone, en fait, on a réussi à installer Gmail et le Play Store. En fait, il vous suffit d'aller l'installer directement via l'App Center. Vous allez via l'App Center, vous mettez Play Store, vous téléchargez le Play Store, vous l'installez. Ça se met tout seul, tout bien, tout beau, tout propre. Donc c'est facile, pas besoin de router le téléphone parce que de toute façon, le route n'est pas encore disponible. Ensuite, Music. Alors, Music. Est-ce que la Music est bonne ici? Oh, la caméra s'est éteinte. On va rallumer ici. Alors. C'était pas ça. Je reviens. File Manager. Ici. Je suis d'accord. Musique. Attention. Audio. Britney Spears. Attention. Les oreilles. Alors, le son. Ah, ils font chier. Il y a une espèce de caisse de résonance en soirée dans une église. Bon, le son est pas mal, le son est assez puissant, mais apparemment, ils n'ont pas dû le coller assez près du métal, là. Ce qui fait qu'il y a une petite case de résonance qui n'est pas des plus sympathiques, hein. Ça fait un petit peu... Ça sonne un petit peu sourd, dirais moi-même. La vidéo. Nos petites coréennes, elles sont là. Petites coréennes qui m'ont été demandées de laisser dans le téléphone. Je ne sais pas pourquoi. On m'a dit, surtout, ne les efface pas. Laisse-les. Est-ce que... J'ai pas la vidéo des meufs. Touch the Sky, non. Ah, il y a des vidéos spécialement de Huawei. Allez, on va changer un peu. Ah, le son est pas bon du tout. J'aime pas beaucoup. Alors, il était trop fond, trop fort. Alors, on a bien un écran qui est IPS, angle de 180 degrés. L'écran juste magnifique, sauf les meufs. Hein. Non, c'est pas les petites meufs que je voulais. Reviens. Reviens, Léon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme jolie vidéo? On va mettre Touch the Sky. Voilà, donc là... Très bel écran, très très belle couleur. On n'a pas un rétroéclairage qui est surpuissant. Hein. On a vraiment un écran qui full HD, qui cherche pas à vous en mettre plein la vue, parce que il est juste beau.
Voilà. Après, des fois, il y a certains écrans, quand ils veulent vraiment compenser, on force un petit peu sur le rétroéclairage. Du coup, on a un rétroéclairage puissant, on a l'impression que les couleurs et que la luminosité est meilleure, alors qu'en fait, non. Là, on a juste un écran qui est beau. Voilà. On a de belles couleurs, on a de beaux contrastes, mais ils n'ont pas poussé le rétroéclairage pour faire un effet waouh. Voilà. L'écran est beau et ça lui suffit. Tu le sais. l'écran est très très joli. Après, sur un 6 pouces, c'est vrai qu'on voit quand même un peu mieux l'avantage d'avoir un écran Full HD que sur un écran 5 pouces ou 5 pouces 5. Très très sympa. Hein. Voilà, on va mettre comme ça les rétroéclairages. On va enlever Huawei. Voilà, très très beau coucher de soleil. Voilà, on a des couleurs qui sont très très naturelles. Un peu comme on peut voir sur une télé. Contrairement à d'autres téléphones où vous allez dire vraiment on pousse un peu le rétroéclairage pour faire croire un petit peu à la blague qui n'en est pas une. Le jeu. On continue. Convaincant ce petit téléphone, tu le sais. Continue, le petit jeu, bon, un petit jeu à deux balles, hein, avec un 3Go de RAM, un processeur octa-core et un Mali de la mort. Moi, je te fais un jeu qui tourne sous un téléphone de Shanzai à 49,90€. Mais bon, voilà, hein, c'est juste pour faire. J'aime pas les jeux, je suis désolé, hein, pas tout aimé. Hein. Un jour, il y aura les tests avec des vrais jeux et tout, hein. On y passera du temps, vous verrez. Donc là, c'est pas mal. On va regarder un petit peu la partie photo. Alors, la partie photo, ici, on va regarder, hop. Alors, réglage, ici, on peut aller dans quoi? Alors, c'est l'album, pas du tout ça que je voulais faire. Réglage, ça va être là, non, ici peut-être, voilà. Beauté, panorama, HDR, baisse vidéo, audio note, Walmart. Ici, la résolution, alors, on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. Soyons folles. Ici, on va se mettre une petite photo. Ah, je vais prendre quoi maintenant? Timer off. Ils sont où les boutons? Là. Tac, perturbant un petit peu ces boutons pas vraiment physiques. On va se mettre un peu le tuk-tuk là. Alors, vous le voyez pas, mais... Voilà. Ici, on revient. Hop là. Ah, on est passé. Ah, vous voyez, on passe directement en vidéo. Alors, je voulais regarder en vidéo. Il y avait quelque chose qui m'intéresse. Je voulais savoir si on pouvait, par exemple, et par miracle miraculeux, faire des vidéos en 4K. Ce qui ne sert strictement à rien, mais qui fait toujours plaisir aux geeks de faire voir aux copains et de dire, hey, non, tu peux filmer en 4K toi. On s'en fout, ça 4, c'est nul, on peut, y a pas de support, mais au moins on l'a. Non, on peut filmer en 1080p et en 16/9. Donc là c'est pas mal. Ici, on va revenir sur la photo, on va essayer de trouver la photo qu'on a fait avec le tuk-tuk. Waouh, très très belle photo. Hein. Faut dire, j'ai un très très bon éclairage. Mais voilà, ouais, très très bien. Vous voyez, on a un beau contraste, et on voit bien le tuk-tuk. On voit bien marquer Thaïlande là-dessus. Alors on voit bien que c'est fait avec de la canette de coca à deux balles. Ici, voilà, bon, c'est bien, pas mal, très très joli. Voilà. Comme toujours, si vous êtes ébahis, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur, une photo prise de bureau, une photo prise en extérieur. Aujourd'hui, la météo sur Shenzhen, un petit peu un voile nuageux qui nous cache un soleil bleu avec un éclairage plutôt opaque, pas très sensible, et une vidéo en intérieur, bien sûr, avec le bureau comme toujours, et une vidéo en extérieur qui permettra de confirmer que le building du Cacamole, on a failli pas en voir la cime. On peut le dire. Ensuite... Le téléphone a bien le GPS. Alors, le GPS, racoco, pour retrouver les screenshots, ça va être la mort. Alors, menu, liste. Alors, attendez, si j'arrive à retrouver les screenshots, je suis pas mal. Ouais, screenshot, là. Voilà. Premier fixe. Alors, le premier fixe, truc de la mort. J'ai jamais vu un GPS avec autant de signal comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, un fixe en 19 secondes. C'est-à-dire, premier, on a eu tous les trucs rouges, rapidement, et il a fallu attendre 20 secondes afin qu'on puisse avoir tous les signaux au vert. On éteint le téléphone, on redémarre le téléphone, et là, deuxième fixe en 6 secondes. 6 secondes, c'est pas mal. On a un fixe quand même plutôt rapide, plutôt correct, bien. Ensuite, on continue avec comparatif de taille. Alors, pour comparer la taille, on va le comparer tout de suite. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai là-bas? Je vais vous comparer ça avec un... Hop là, avec un Note. Un Note 3, qui lui fait 5,7 pouces. Eh ben, il est pas beaucoup plus petit, hein. Vous voyez, quand on regarde... Voilà, non, il est pas beaucoup plus petit pour un écran qui fait 0,3. Vous voyez, on voit bien la différence. Bon, par contre, au niveau de la finition, il le démonte, hein. Je veux dire, l'aluminium ou le plastique, comme dit Rumi, parce que le plastique restera toujours du plastique, nous avons mis de l'aluminium. J'adore ce slogan. Opération Omar Avdougui en force. Donc voilà, le métal, ça reste du métal. Le plastique, ça reste du plastique. Même si c'est du joli plastique, ben voilà, ça reste du plastique. Là, la finition, quand même, il est quand même beaucoup plus joli. Un petit peu plus fin. Vous voyez, avec sa batterie de 4100 mAh. Si on doit le comparer par exemple avec mon Oppo, qui est juste lui énorme, forcément, et caméra en haut, lui, il fait que 5,9. Donc vous voyez, 5,9 contre 6 pouces. Voilà, vous voyez, on a un design. Ouais, quand même, les Chinois, ils déboîtent quand même au niveau design. Hein. Vous serez d'accord avec moi.
Quand on prend les Coréens, ils ont tout perdu, les Coréens. ils ont perdu la guerre. Ils sont trop beaux, les téléphones. En aluminium, comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aller sur Internet. Je vous fais pas la blague. Vous pouvez aller sur Internet. Voilà. Oh, regardez le site de Huawei, par exemple. Ah, ça vous changera les idées. Voilà. Ça vous permet d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors, pour nous, les plus, qu'est-ce qu'on aura? L'écran 6 pouces en Full HD. Qui est très 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 joli. Alors attention, méfiez-vous bien, il n'a pas d'effet wow en disant ça brille, ça illumine. Non, il a de très très belles couleurs, un petit peu comme votre télé, avec un très très beau taux de contraste. Et ça, c'est ce qui va faire un petit peu la différence. On aura bien aimé 3Go de RAM plus 32Go de ROM. 3Go de RAM, là je peux dire, t'es fait sur fait refait. 32Go de ROM, tu peux mettre toute ta vie dedans, et de la micro SD que tu peux taper jusqu'en 128Go. Ça c'est bon. Android 4.4 avec la surcouche EMUI 3.0. Forcément, il fallait bien mettre le fingerprint et tout. Un design qui est joli, hein, vous voyez. Non, c'est bien. Ça passe bien. Caméra 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. Le processeur 8 cores. Kirin 925 en 4x1Go8 plus 4x1Go3. Grâce à moi, le mot Kirin est pourri maintenant en France. Parce que chaque fois que vous allez l'entendre Kirin. Voilà. Le lecteur d'empreintes derrière qui va pouvoir vous scanner vos empreintes pour l'envoyer au FBI afin qu'on puisse vous retrouver en cas de guerre. On a bien le fait qu'il soit 2G en quad bande. Il est 3G 850, 900, 1900, 2100. Donc il faudra en 3G chez vous partout. Et enfin, il est 4G FDD. Ça veut dire qu'il fonctionne, mais seulement les bandes B1, B3. Voilà, touché. Et en fait, ça veut dire qu'il supportera la bande 1800, 2100. À savoir qu'en France, il ne fonctionne que le 1800. On vous expliquera ça dans les points négatifs. Le téléphone, on aura bien aimé le fait qu'il soit double SIM ou SIM plus micro SD. C'est la nouvelle mode chez Huawei, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup ça, parce que bon, personnellement, la micro SD, je veux dire, avec 32Go, en effet, mais si on veut aller trancher, tac, on enlève le truc, paf, on met une deuxième carte SIM, c'est plutôt bien. Bonne idée, la batterie de 4100 mAh qui est tellement énorme que tu vas pouvoir recharger ta voiture électrique avec. Hop, t'as un petit câble comme ça, et je veux dire, si t'as la... C'est quoi la Renault, là, j'ai vu, il dit, oh, c'est simple, et avec son fils, il est avec son fils, j'ai vu ça dans Automoto. Il est avec son fils, il dit, oh, non, la voiture, c'est simple à charger et tout. Bah là, hop, tu peux recharger ta voiture avec ton téléphone tellement que la batterie, elle est énorme. Et enfin, mesdames et mesdames, on aura bien aimé le prix. Oui, parce qu'en fait, je le sais pas, le prix. On a juste le téléphone, on n'a pas eu le temps de trouver le prix. Vous aurez le prix à l'incrustation de l'image. Hein, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Qu'est-ce qu'on n'aura pas aimé pour les points négatifs? Bah, il est gros, hein. Voilà, tout le monde n'aime pas les gros. Tout le monde n'a pas des grosses poches. Ou des... J'allais dire des grosses femmes. Non, des femmes qui ont un gros sac à main. C'est trop sélectif, sinon. Enfin, on regrettera la 4G. La 4G qui n'est que 1800 pour chez vous. Et chez vous, il faut du 9, il faut du 800 et du 2600. Le 1800, il n'y a que Bouygues qui supporte ça sur une fréquence. Donc, regardez bien où vous habitez. Demandez l'antenne qui est autour de chez vous. Si l'antenne autour de chez vous est une 1800 Bouygues, vous pouvez l'acheter. Sinon, vous n'aurez pas de 4G. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et enfin, qu'est-ce que j'avais noté? Le design de la RAM qui ne plaira pas à tout le monde. Cette surcouche-là, et pas encore de ROM international. Non, aujourd'hui, le téléphone, il vient d'arriver. On est en train de tester le téléphone, on n'a pas de ROM international, mais elle va arriver bientôt, et vous aurez en plus le français, parce que le Play Store et tout, c'est déjà intégré dedans. On demandera à Nico de vous les installer sans trop de problèmes. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez laisser un commentaire, et surtout mieux, vous pouvez laisser une note à ce téléphone. Alors, on va lui attribuer une note de combien, ce téléphone? On va lui mettre un 16+. Voilà. On voulait lui mettre 17. En fait, 17, ça aurait été s'il avait eu le double SIM. Et là, c'est quand même une SIM micro SD ou deux micro SIM. Donc, on va lui mettre un 16. Mais quand même, à cause de la couleur gold, on peut lui mettre un demi-point de plus. Donc, on va lui mettre 16+. Parce que, bah, vraiment, je pense que pour nous, il a tout. Donc, 16+. Mais il est quand même un peu gros. Hein. Là, l'air 6 pouces, c'est pas fait pour toutes les poches. Et puis voilà, on peut pas non plus donner le top du top, sinon on aura plus de marge d'erreur. Voilà, donc vous pouvez laisser un commentaire pour dire la note que vous mettez à ce téléphone. Vous mettez moi le A5 de mètre 7, je lui mets, hop, mettez 16, 17, 12, 15, 22, non pas 22, ça fait 2 points de trop. Vous mettez une note sur 20 et ça permettrait d'avoir un petit peu un avis. Vous pouvez laisser un commentaire pour dire ce que pense le téléphone, vous pouvez laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Voilà, c'était Greg Le Geek, ton pote chinois, sur Bluratech, qui fait peut-être ce live en direction en Chine. Et encore une fois, on va remercier David qui nous a amené ce téléphone-là, qui l'a acheté en Chine, qui l'a ramené à Hong Kong, qui nous l'a ramené à Shenzhen pour qu'on puisse jouer avec et que vous puissiez le voir et que vous puissiez le trouver dans la Skyphone boutique. Parce qu'en fait, on vous a donné le prix. Mais je ne sais pas le prix maintenant, parce que je fais à l'envers la vidéo. Mais ça, vous le savez pas. Parce que vous verrez ça dans l'ordre, vous en foutez. Voilà, mes petits geeks. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye.